connaît un Dieu, il ne souche jamais. Je connais un Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de sa détresse. Car aujourd'hui je vois ce que le Seigneur fait. Il dit, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne que quelqu'un qui a eu les maux de cœur, passé 3 mois au CNHU sans solution, à une seule touche, que celui-là puisse retrouver sa santé. Une seule touche. Écoute-moi correctement. Mon Dieu a un magasin. Et dans ce magasin, il y a les pièces de rechange. Celui qui appelle la moto a fait les pièces de rechange. Celui qui appelle la voiture a fait les pièces de rechange. Celui-là qui a formé l'homme et qui a envoyé son souffle, qui a inspiré l'homme à créer une moto en sachant dans sa tête que les pièces vont s'user. Donc un jour, la moto aura des problèmes. Il faut avoir des pièces de rechange. Et je vous placer là. Et la personne dit, qui sait, nous avons une capacité qui nous donne la ressemblance avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et cela vous a dit quoi? Si l'homme, sagesse humaine, a pu créer, inventer quelque chose et a mis des pièces de rechange au canard de Dieu, notre créateur. Celui qui a créé Winfrey, celui qui a créé Pascal, celui qui a créé Chauchette, celui qui a créé Charles, celui qui a créé Chauchette, il y a encore les pièces de rechange. Et Dieu qui est gâté, et tu es venu aujourd'hui, mon Dieu va remplacer. Écoute-moi, nous sommes au début. La Bible dit, ceux qui vont croire au Seigneur Jésus, ils feront des choses que Jésus a fait. Et ils feront plus que Jésus. Qui a déjà fait plus que Jésus? Mais si Jésus est en moi, je vais passer dans les pays et les cadavres vont ressusciter. Jésus. Écoute-moi, ta misère n'est pas venue pour rester. Ton problème n'est pas venu pour rester. Mais je dis une chose, mon voisin, le truc est venu pour créer une opportunité. Si la maladie ne t'a pas tué, le problème ne t'a pas détruit, lui sache ce que tu as mis tes pieds ici. Ce qui vous l'a dit, c'est lui qui doit te tuer. Sa grand-maman n'est pas encore. Jesus, arrêtez-moi. L'espérance en Jésus-Christ.